Les enfants, nous allons avoir la visite de monsieur l'inspecteur aujourd'hui. Lorsque je vais poser les questions là, ceux qui connaissent la réponse là, ils lèvent la main droite. Ceux qui ne connaissent pas la réponse là, ils lèvent la main gauche. Vous n'avez pas dit quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Faut qu'ils sachent que toute la classe connaît papier, que la maîtresse travaille, que vous êtes bien. Entends. Fixe. Repos. Attention. Ouais. Toi là, pourquoi t'en as rien lisse comme ça? Méfie-toi, le chauffeur de taxi refuse. Dépose l'argent. Oh. Aujourd'hui, elle n'aimait pas l'argent. Ça fait rien. Hein? C'est crédit, tu vas prendre. Tiens. Allez, reviens, reviens, reviens. Donne-moi ton nom. Bien écrit. Tu as complété mon transport. On t'en va à la fin du mois, là. Mamie, si tu ne comprends pas l'exercice que je te donne, demande à tes parents de t'aider. Madame, le papa est fâché. Il est très fâché. Contre qui? Compte moi. Il dit que vous lui avez donné zéro. Il lui a donné zéro. Ton papa là, c'est mon élève. L'exercice de mathématiques de la semaine passée. Hein. Donc c'est lui qui faisait l'exercice pour toi. Moins un si sa bénédiction. Faut dire à maintenant, il dit moins un si sa bénédiction. Pourquoi vous vous forcez à acheter ce que vous vendez en classe? Je veux que vous vendez. Hein. Est-ce que c'est obligatoire? Dépose l'argent que tu as quitté ici. Mais c'est obligatoire. Aïe. Jean, tu prends pas ton fil à moi. Madame est fâchée. Bah. Les enfants, nous allons avoir la visite de monsieur l'inspecteur aujourd'hui. Celui qui va mettre mon visage par terre, il va partir, on va régler. Vous n'avez pas dit quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Lorsque je vais poser les questions là, ceux qui connaissent la réponse là, ils lèvent la main droite. Ceux qui ne connaissent pas la réponse là, ils lèvent la main gauche. Comme vous le savez, nous sommes là pour travailler avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je n'ai pas assez de temps devant moi. Les enfants, maman partage un paquet de 24 bonbons à ses 4 enfants. Quelle sera la part de chaque enfant? Waouh, c'est bien. Patron, vous-même vous le constatez, c'est une classe de sud-ouest, surtout dans cette école. Ils sont très bien mes élèves. Chacun aura 6 bonbons. Les enfants, comment appelle-t-on l'hymne national de la Côte d'Ivoire? Moi, c'est la Guyanaise. Combien de mois y a-t-il dans une année? Madame, qu'est-ce qu'elle a cette petite? La petite Noya. Oui? Elle n'a rien, monsieur l'inspecteur. Elle est juste timide. Ah, oui. Combien y a-t-il d'organes de sens? Zana. Il y a 5 organes de sens. Dites-les. Il y a l'odorat, la vue, le goût, le toucher et lui. Quel est le nom du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire?
Madame Zereba, c'est scandaleux. Notre ministre de tutelle donne l'abnégation au travail et les compétences ne sont plus à démontrer. Je crois qu'il y a une qui a déjà levé les deux mains. La petite fille a vu me mettre en une, deux mains en même temps. C'est la main gauche ou bien c'est la main droite? C'est Madame Mariatou Kone. C'est une quand même. Vous ne voulez pas que Madame la ministre vienne dans votre école? Si, bien sûr. Ah, mais quand, bien sûr, quand même, quand même. En tout cas, félicitations encore. Je suis merci, vraiment fier. Merci. Si, si. Merci. Les enfants, félicitations à vous aussi. On s'applaudit. Oh, yeah. Merci, merci ma fille. Merci, tu m'as sauvée. Madame, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Arrêtez de nous faire votre fille.